retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et vous savez laquelle, c'est le journal créatif de la semaine. Alors, déjà, bonjour tout le monde, j'ai déjà dit, voilà Fifi qui vient dire bonjour, comme d'habitude, et qui va me mettre sa queue dans la tête, comme d'habitude. Alors d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Non, ça c'est mon verre, ça y est, elle commence ses bêtises. Hein. Assieds-toi. Assis. C'est mal barré, hein. Allez, mon bébé, descends. Tu veux dire bonjour? Bonjour les copains, les copines, à maman. Ça va? Moi, ça va. Alors, je recommence. On est mal barré. On est mal barré. Allez, assieds-toi. Si tu veux rester là, tu t'assois. Allez. Allez, allez. Voilà, comme ça, c'est bien. Je souhaite d'abord la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. J'espère que les vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne vous plaisent. Voilà. Alors, le journal créatif de la semaine, je répète un petit peu en quoi ça consiste, pour les nouveaux surtout. Je vous montre, donc vous voyez la vidéo le dimanche, moi je la filme le samedi soir. Et donc vous voyez tout ce que j'ai fait pendant la semaine, en broderie principalement bien sûr, mais aussi en tricot, crochet s'il y en a, du DP quand il y en a. Bon, il n'y en a pas en ce moment, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Et il va peut-être avoir de nouveaux coloriages. Je vais peut-être me remettre un petit peu au coloriage, mais pas intensément comme avant. J'en referai un petit peu de temps en temps. Et s'il y a d'autres loisirs que je ferai dans la semaine, je vous les montrerai également. Voilà, donc il y en a pour tout le monde. On va attendre, hein. Ça y est, t'es installée. Un bisou, maman. Oh là là, c'est des bisous d'amour, ça. du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, bah justement, alors je ne le fais pas souvent. Mais bon, là je vais me représenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi c'est Edith, d'Edith. je suis plus près des 61 ans. Je les aurai au mois de novembre. Je suis du nord de la France, j'habite juste à côté de la frontière belge, à côté de Quiévrain, si vous connaissez. Donc Quiévrain, c'est côté Belgique, et moi donc je suis côté France. Bon, je ne suis pas encore à la retraite, mais je ne travaille pas, je suis malheureusement en invalidité depuis 2019, voilà, pour plusieurs problèmes médicaux. Et voilà, donc moi j'ai toujours travaillé, j'ai beaucoup travaillé toute ma vie, depuis l'âge de 16 ans, et voilà, le travail m'a beaucoup usé, et c'est pour ça que malheureusement je suis en invalidité. J'ai fait beaucoup de métiers, voilà, ça je vous en parle pas souvent, mais j'ai travaillé mon tout premier métier, j'étais standardiste à l'âge de 16 ans. J'ai fait du secrétariat. Après, j'ai beaucoup travaillé dans le commerce. J'étais vendeuse, j'étais caissière, j'étais responsable de magasin. Voilà. J'ai travaillé surtout dans l'alimentaire. J'ai fait un peu de chaussures aussi, un peu de solderie. Mais principalement, c'était dans l'alimentaire. Et dans l'alimentaire, ce que j'ai fait le plus, c'est la boulangerie. Voilà, je travaillais en charcuterie, en fromagerie. Voilà.
Et quand je commençais à être trop vieille pour le commerce, voilà, je suis devenue auxiliaire de vie. Et donc j'ai fini ma carrière en tant qu'auxiliaire de vie. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans, presque 20 ans même, comme auxiliaire de vie. Voilà. J'ai même été, j'étais auxiliaire de vie et j'ai eu ma propre société de service à la personne, voilà, dont j'étais la patronne. Et voilà. Alors sinon, ben moi, je suis une accro des loisirs créatifs depuis très très jeune. Même déjà enfant, je bricolais déjà, je faisais pas mal de choses. Et après, j'ai fait du scrapbooking, j'ai fait du cartonnage, j'ai fait de la fimo, des bijoux. Voilà, j'ai vraiment touché à, presque à tout. La broderie, bien sûr, le tricot, le crochet, la couture. Voilà, j'ai le coloriage. J'ai jamais arrêté les loisirs créatifs depuis le plus jeune que j'étais. Voilà, j'ai toujours fait des choses. J'ai besoin que mes mains travaillent. De toute façon, je ne sais pas rester sans rien faire. Et comme là, malheureusement, avec mes soucis de santé, je ne peux pas. Bon, je ne peux plus travailler, mais je ne peux pas non plus faire ce que je veux dans la maison. Ça, je suis très vite fatiguée, j'ai très vite des douleurs, donc voilà. Cette semaine, par contre, depuis une dizaine de jours, j'essaye d'aider parce que c'est Chouchou qui fait le maximum dans la maison pour le ménage, tout ça. Et là, depuis une dizaine de jours, c'est lui qui n'est pas bien. Il a de très très grosses douleurs au niveau de son dos. Et là, on lui a trouvé ben, plein plein d'arthrose. Et du coup, bon ben, je prends sur moi et là, c'est moi qui lui donne un coup de main maintenant. Voilà. Donc, mais bon. Moi, je vous dis, j'ai 60 ans, lui, il en a 67, donc il faut qu'il ralentisse aussi un petit peu. Donc, ben, j'essaye de faire à mon rythme, mais ben, je donne un coup de main aussi dans la maison. Voilà. Bon, ça peut paraître bizarre, hein, des fois, que c'est la femme fait moins que le mari dans la maison, mais bon, c'est la santé qui veut ça. sinon, ben. J'ai les bébêtes, vous connaissez Fifi, vous venez de la voir. J'ai Jerry, un Yorkshire. J'ai Pacha, un bichon maltais. Et on a des oiseaux. Voilà. Donc des oiseaux, on a un canari, on a deux perruches, deux inséparables. Et donc un canari et. Un diamant mandarin, pas mandarin, si mandarin, un diamant mandarin. J'en avais deux, mais malheureusement, la femelle est décédée. Voilà, vous savez tout. Et sinon, bah, au niveau des réseaux sociaux, bah, vous pouvez me retrouver ici sur YouTube. Voilà, vous pouvez me retrouver également sur Instagram. C'est vrai que mon Instagram stagne au niveau des abonnés. Je dois avoir quoi, un peu moins de 1000 abonnés, je crois. Mais bon, là, de ce côté-là, ça stagne un peu. Mais vous pouvez me retrouver donc sur Instagram avec le pseudo l'atelier de Didith. Je gère un groupe de broderie, alors broderie, tricot, crochet, couture, ben, tout ce qui touche le fil. Et j'ai également un autre groupe. Alors, je devais le fermer. J'avais l'intention de le fermer et par la force, on m'a dit non, non, laisse-le ouvert. Donc je l'ai laissé ouvert et là, on fait du diamond painting et du coloriage. Alors le coloriage, ça fait pas longtemps hein, qu'il y en a sur ce groupe. Mais voilà. Et j'ai ma page Facebook de l'atelier de Lilith aussi. Voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur Pinterest, mais. Je mets de moins en moins de choses, j'y pense pas.
Je mets de moins en moins de choses sur Pinterest. Mais c'est vrai que c'est pas le réseau social auquel on pense le premier. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Alors, je voulais déjà vous remercier également tous. Vous avez vu cette semaine que j'ai mis un concours, le concours anniversaire de ma chaîne, donc qui a eu ici fin juillet 8 ans. Et j'ai, par ce concours, je fête également les 8000 abonnés de ma chaîne. Donc à l'heure où je vous parle, on est à 8025. Et vous êtes très 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 nombreux à participer à ce concours. Donc si vous n'y avez pas encore participé, n'hésitez pas. Donc c'est une ou deux vidéos en arrière. Vous pouvez encore y participer jusqu'au 31 août. Voilà. On a tout dit, Fifi? Et puis bon, la star de la chaîne, hein, vous la connaissez, c'est ma Fifi. Qui est ma Fifi qui va bouger, parce que maman a besoin de la table. Hein? Tu veux bouger? Oh là 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 là. Oh, c'est des gros bisous d'amour, hein? Mmh. Elle est amoureuse? Elle est amoureuse de sa maman et de son papa, bien sûr. Allez, voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Bon, c'est vrai que les dernières vidéos n'ont pas été, enfin, pas très longues. Elles n'ont pas fait 2 heures, voilà. Mais aujourd'hui, on verra ce qu'on va faire. Je me suis préparé le petit bonbon. Parce que, alors je vous rassure, mes douleurs au niveau de ma langue, je croise les doigts, ça commence à s'atténuer. Mais on ne va pas le crier trop fort. Voilà, je me suis préparée à boire un big verre de coca. C'est pas bon le coca, mais c'est bon. Miam, miam. Et voilà. Alors, aujourd'hui... je vais déjà vous dire ce que la roue, vous savez que toutes les semaines, je fais un tirage au sort avec la roue sur ma tablette pour savoir quelle broderie je vais travailler sur la semaine, en sachant que des fois je déborde un peu, hein, genre sors une qui n'était pas prévue, mais ça c'est pas grave. Alors la roue, la semaine dernière... m'avait sorti alors le long dog sampler, voilà, le colibri, donc ça c'est de poussière d'étoile, le lily point, donc ma ronron thérapie, un estampé, voilà, sur le thème de la confiture, c'est toute une série, hein, qui est c'est une série sur la cuisine. Le sale Old Forest de Julia, qui lui était terminé depuis un petit moment, hein, déjà chez elle. Mon Autumn Quaker, voilà. Mon Bouddha, donc qui est de poussière d'étoile également. L'aquarium de Lucas. Mon hibou, donc ça c'est une broderie qu'une de mes abonnées m'a offert. Ma steampunk, voilà, donc ça c'est une grande couverture totale. C'est une image que moi j'avais récupérée et que j'ai transformée en grille de broderie. Et le sampler que je fais en fil étoile, en duo avec Sonia. La confiture, je la fais en trio, donc avec Isa et Armel. Voilà. Et le Lily Point, c'est un duo que je fais avec Céline. Voilà, le Long Dog Sampler, là, on est à... Alors, si je ne me trompe pas, on est à 3 à le faire, avec Sonia de la chaîne Diamant Rose et Geneviève. Je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Enfin, ce qui était prévu la semaine dernière. Je fais également un challenge perso, voilà. Je me prévois 3000 croix par semaine.
Et je vois si je fais mes 3000 ou si je dépasse ou si j'en ai fait moins. Donc à la fin de ma présentation des broderies, je vous dirai ce qu'il en est pour mon challenge de cette semaine. Alors, cette semaine, je vais vous montrer une broderie terminée. Oui, ça y est, je suis toujours aussi folle, hein, faut pas s'inquiéter. J'ai réussi à terminer une broderie. Alors, comme je vous avais dit, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais le lundi, maintenant, je le consacre à une seule broderie. Parce que moi, sur la journée, je travaille sur deux, voire trois broderies quand je peux. Mais en temps régulier, je fais deux broderies par jour. Voilà. En plus du tricot que je fais le soir. Donc, ce lundi, j'ai fait le Salle All Forest organisé par Julia. Et donc, c'est celui-là que j'ai terminé. Je suis trop contente. J'étais trop contente. Alors, il est une petite poussière encadrée. Ah, non, Fifi, s'il te plaît. Descends. Allez. Descends. Voilà. Elle m'a mis plein de poils. Oh là là. Le voici. Je suis trop contente. En plus, il est super beau. Alors, il y a eu des toutes petites erreurs hein, dessus. Des fois, il y a un point qui a décalé. Mais bon. Ça se voit pas. Quand j'ai pu corriger, j'ai corrigé. Et quand je voyais que ça servait à rien de corriger, bon, j'ai laissé. De toute façon, ça ne se voit pas. Oh non. Oui, ben vous attendez que j'ai fini de montrer ça. Alors, avec Chouchou, j'avais dit, on fait un pari. Combien de minutes après le début de la vidéo, les poilus vont demander pour aller faire pipi? Eh bien, on est à 17 minutes et 30 secondes. Ils veulent aller faire pipi. Mais attendons que je finisse de montrer ça. Donc voilà, je l'ai terminé, je l'ai encadré. Alors, c'est un cadre de chez Action, bien sûr. Et j'ai fait avec un passe-partout noir. Voilà. Alors, j'ai eu de la chance parce que moi, je mets un tissu thermocollant derrière pour rigidifier un peu et stabiliser la broderie. Et c'était le dernier morceau. J'en ai plus. J'ai oublié de m'en reprendre. Donc, il faudra que je m'en commande. Voilà. Mais elle est trop belle. J'adore. Dire que j'avais hésité à la faire, celle-là. Mais je regrette vraiment pas du tout, du tout, du tout. Alors, bon, à l'écran, ça se voit pas bien, hein, mais moi, en vrai, ça va, ça ressort bien. C'est ces couleurs-là. Alors, j'aurais peut-être dû prendre encore un ton au-dessus, mais bon, ça va. Moi, quand je la vois de visu, en vrai, ça ne me choque pas. Vous, en retour d'écran, ça se voit un peu moins. Voilà. Mais elle est trop belle. Je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Alors, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour la faire. Du coup, moi, j'ai mis un peu. Alors, je l'ai pris en cours de route, je sais. Et j'ai mis un petit peu plus longtemps que les autres pour le faire. Mais je n'aurais pu vous dire, il faut que je mette mon cahier à jour, mon cahier de broderie. Mais je ne sais plus. Je crois que on le faisait sur un an. Oui, c'est ça, on le faisait sur un an. Et donc j'ai fait un petit peu plus. Moi, je crois que j'ai dû faire un mois ou deux en plus. Voilà, mais bon. Mais elle est trop belle, j'adore. Bon, première pause pipi, hein? Il n'y a pas.
Je pense qu'ils me font pipi. Non, ils font pas pipi dans la maison. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai oublié de vous dire sur cette broderie, donc le Hall Forest. Lundi, donc j'ai fait en tout sur la journée 1406 croix pour le terminer. Voilà. Donc j'ai vraiment bossé dessus. Et quand j'ai fait poser la dernière croix, oh que c'était bien. Alors, je n'ai pas fait de, à part la confiture que je vais vous montrer, je n'ai pas travaillé sur mes autres estampés, c'est-à-dire les cerfs, la dame celtique ou le cheval. Je n'ai travaillé, alors je l'ai fait dimanche, que sur la broderie confiture. Donc c'est une broderie spring, voilà. Donc que je fais en trio, donc avec Isa et Armel. Bon, Isa, elle l'avait déjà brodé avant, donc elle nous rejoint le mois prochain pour les autres broderies. Et moi, j'ai avancé. Alors, je pense que je vais avancer un peu plus vite dans cette semaine. De toute façon, j'ai encore quoi il ne reste pas une petite quinzaine de jours, donc ça ira. Voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait cette bordure ici. Et j'ai brodé les deux mots, la confiture. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Elle est très agréable à faire. Elle n'est pas confetti, rien du tout. Donc, il n'y a pas de prise de tête pour le faire. Voilà. Donc, moi, je vous dis, dimanche, en faisant le montage de la vidéo, dimanche dernier, ben voilà ce que j'ai fait. Donc il y a environ, puisque là c'est de l'estampé, je n'ai pas compté vraiment au point près. J'ai fait environ 400 croix. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Alors, vous rappelez, je vous avais, lors de mon dernier unboxing, lundi dernier, je vous avais montré, présenté un cadre que j'avais eu en partenariat. Et lors de la vidéo, vous avez vu le cadre, c'est cassé en deux. Et donc, c'était pour cette broderie-là, c'est pour cette série-là. Et heureusement que je n'avais pris qu'un, du coup, parce que bah, du coup, je ne savais pas si les autres allaient être abîmés ou pas. J'essaierai peut-être d'en reprendre un, on verra bien. Mais j'aimerais bien que toutes ces broderies-là aient le même cadre. Voilà. Donc voilà, là c'est la seule estampée que j'ai fait cette semaine. Donc sur dimanche et lundi, j'avais déjà fait 1806 croix. Ensuite, alors, j'ai, alors est-ce qu'il est, non, c'est pas celui-là, attendez, je vais en sortir. Pourquoi il clignote déjà ma lampe? On ne va pas me dire qu'il n'y a plus de batterie dessus. Non. Bon, ça c'est toutes les broderies que je dois vous montrer, mais c'est pas celle-là que je veux vous montrer en premier. Bien sûr, vous allez voir que ça va être la dernière que je vais sortir. Bah mince, je l'ai mis où? Ouh, oui, tu. Ah la voilà. Elle n'était pas rangée à sa place. Vous vous rappelez. Il y a quelques temps, enfin il n'y a pas si longtemps de ça, mais j'avais commencé à broder mon automne Quaker, donc celui-ci. Donc c'est de qui? Ah, de Karen Kluba. Voilà. Ah, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Il est trop beau.
Et vous vous rappelez que j'avais déjà commencé à le broder et j'avais eu ma toile pour le faire. J'avais fait la bêtise de la couper en deux. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, si, j'avais mal calculé. Et du coup, je m'étais dit, pour ne pas perdre la toile, je vais le broder en un fil sur un fil de trame. Mais ça ne me plaît pas, ça. Et puis, mes yeux, ils n'aiment pas non plus. Voilà. Donc, j'ai recommandé une toile. Les deux morceaux de toile que j'ai coupés me serviront pour autre chose, hein, c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai dû recommander une toile. Là, je ne l'ai pas du tout coupée. Elle est un peu trop grande, mais tant pis. Je préfère la couper quand elle sera finie. Et là, du coup, maintenant, je le brode. J'ai commencé à le rebroder, donc en deux fils sur deux fils de trame. Donc, en point de croix, tout à fait normal. Donc, voilà où j'en suis. Bon, c'est un début pour l'instant, hein. Voilà. Donc là, par contre, j'ai commencé par le milieu. La première fois, j'avais commencé en haut à gauche. Et là, j'ai préféré commencer au milieu. Voilà. Donc voilà le début. Bon, ça m'énerve que le téléphone fait ça, des baisses de lumière là. Oui, du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai commencé par le milieu et voilà. Et puis je vais tourner autour hein, au fur et à mesure que j'avancerai. Alors, je vais essayer de vous montrer les couleurs. Voilà. C'est une catastrophe, hein. Il en a marre de filmer mon téléphone. Je le brode avec les fils Valdani. Voilà. Donc, ce sont des petites bobines comme ça. C'est des fils avec trois brins. Mais bon, je brode avec deux brins. Alors, c'est le seul petit souci, justement, pour ces fils-là. Comme c'est du fil avec des effets, vous voyez, il y a différentes couleurs hein, dans le fil. Il faut broder absolument avec deux fils, voilà, et on ne peut pas faire avec un fil plié en deux. Hein. Il faut prendre absolument deux fils, mais comme ce sont des fils avec trois brins, le troisième brin, je suis obligée de le laisser de côté. Je m'en servirai pour d'autres broderies, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est le seul petit souci que je rencontre avec ça. Mais Noémie m'avait expliqué que j'avais pas d'autre choix que de faire comme ça. Noémie, c'est la responsable de la boutique de mère en fille. Elle m'avait dit, tu brodes avec deux brins et le troisième brin, tu le remets de côté pour faire autre chose une autre fois. Voilà. Alors, c'est quand même des bobines qui sont. Alors, je ne sais plus combien de mètres elles font, mais elles sont assez grandes. Hein. C'est beaucoup plus grand qu'une échevette. De mémoire, ça doit être 24 mètres. De mémoire, je crois que c'est 24 mètres. Donc voilà, ça ne me posera pas de problème, même en mettant un fil de côté, enfin un brin de côté, pendant que je brode. Alors, c'est une toile Murano, voilà. Est-ce que je me suis fait... Alors, j'ai commencé à faire des petites fiches et je vois que j'ai pas ma petite fiche. Je sais pas où je l'ai mise. Alors, c'est une toile Murano, couleur mocha, vintage mocha. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, c'est une étamine 12,6 fils, Murano. Voilà. Elle est très, très belle. Arrête de faire ça, le téléphone. Donc là, j'ai fait environ 300 croix. Ouais, il y a à peu près 300 croix de fait sur celui-là. Avec mon beau aimant, regardez. La team poussière d'étoiles. Donc voilà. Alors, petit défaut aussi
dans le carnet avec les grilles, le milieu n'est pas marqué. Sur les grilles, il n'y a pas la petite flèche, vous savez que... Attendez. Attendez, si, là j'en vois une de flèche, bah mince. Me dites pas que j'ai refait une bêtise, hein, parce qu'alors là, je meurs. Ça, c'est quoi? Ça va, c'est là, ok. Donc, ouais, je suis bien. Le milieu est là. Ouais, donc là, c'est bon. Alors, pourquoi je trouve pas le milieu du côté? C'est mal. Si, ah, voilà, le milieu, ça y est, je l'ai trouvé. Ouais, donc non, c'est bon, j'ai bien commencé au milieu. Un ou deux points près. J'ai décalé d'un ou deux points. C'est pas grave, comme il y a de la marge, il n'y aura pas de problème. Mais, ouais, ça, c'est juste un petit. Ils ont mis la petite flèche sur deux grilles seulement. Ouais, ils l'ont fait que sur deux grilles. Ça, c'est dommage. Ils auraient dû faire une petite marque sur chaque page pour qu'on puisse savoir où on en était. Mais bon, moi, je me suis basée aussi avec ce petit plan-là, vous voyez. Donc là, c'est la partie 5 que je vais broder, la page 5. Donc, c'est bien ça, je me suis pas... Du coup, je me mets le doute à moi toute seule. Oui, non, c'est la page 5. C'est bon, je suis sur la bonne page. Voilà, du coup, les fils, vous voyez, quand il me reste un fil, bah, je le mets là-dessus. Et puis, bah, quand j'aurai des petites broderies à faire qui demandent pas beaucoup de fils, bah, je m'en servirai. Voilà. Bah ça, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Alors, celui-là, je vous le montre après. Celui-ci. Ah ben, il est en premier. Ça tombe bien. J'ai ressorti mon... Alors, est-ce que j'ai l'image? Oui, j'ai l'image. J'ai ressorti ma broderie, c'est l'aquarium de Lucas. Voilà, superbe image. De toute façon, tous les Lucas hein, sont vraiment très très beaux. Celui-là ne va pas être énorme, hein. Il fait 25 sur 26 cm, donc ça va. Avec donc des nénuphars, voilà, il y a des nénuphars, il y a des carcoils, voilà. Il est vraiment très très joli. Alors celui-là, parce que les Lucas, il arrive qu'on a, alors du coup je vérifie encore. Qu'on ait le QR code, mais là moi je sur celui-là il n'y en a pas, donc je suis obligée de travailler sur papier, mais bon, ça me pose pas trop de problèmes pour l'instant, ça va. Oui, d'habitude vous avez, sur la liste des couleurs normalement vous avez un petit QR code ici, mais là on l'a pas. Donc, je ne peux pas le travailler en PDF ou sur comment Pattern Keeper, voilà. Mais sinon, les patrons de chez Lucas, par contre, sont... Alors, moi, je le photocopie hein, pour pouvoir stabiloter. Mais, voyez, voilà, une feuille
Donc c'est super clair, c'est imprimé très grand, je vous en montre un petit bout bien sûr, vous voyez, c'est imprimé, voyez, voilà, je mets mon doigt à côté pour que vous voyez, c'est imprimé vraiment grand, très clair, donc ça va, il n'y a pas de problème. Alors juste que moi là, bon du coup j'imprime la partie que je suis en train de faire, allez, elle est là. Voilà, j'imprime et je stabilote. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Et je stabilote. Voilà. Bon. Bah. Alors par contre, j'encadre également. Alors, je ne vous montre pas tout. Je fais mes cases au rouge en même temps. Comme ça, je m'y retrouve mieux. Voilà. Bon. Donc voilà où j'en suis. On commence à voir la tête de ma première Carp Koi. Voilà, les couleurs sont vraiment top. Alors là, il me reste 2-3 points à faire sur son dos ici. Et voilà. C'est des couleurs assez vives. Donc c'est vraiment très très joli. Alors il est sur une toile. Non, mais j'ai rangé le truc pareil. Alors je suis en train de faire mes petites cartes comme Amélie, Fée et Sonia. Sonia et moi, on a commencé à faire des petites cartes pour mettre dans nos pochettes. Comme ça, on arrête de chercher aussi avec qui on fait, quelle toile c'est. On a tout sous la main. Alors celle-ci, c'est une Aïda Zegart, donc quadrillée. 16 CT, donc c'est une 6,3 et j'ai 57 couleurs. Voilà, et les quadrillés. Alors, normalement, quand je l'aurai fini, pour enlever le quadrillage, il suffit que je la lave. Mais comme c'est une couverture totale, je ne vais pas m'embêter. Je vais pas la laver. Moi, je n'aime pas laver mes broderies. Donc, sauf quand c'est de l'estampé, là, on n'a pas trop le choix. Donc, là, le quadrillage, ça ne se verra plus. Donc, je ne vais pas m'embêter à la laver. Mais le reste de la toile, de toute façon, sera caché par le cadre. Donc, ça ne se verra pas. Voilà, ma petite carte. Alors, ça faisait plusieurs semaines hein, que je ne l'avais pas ressortie, celle-ci. Et du coup, là, le hasard de la roue m'a dit... Si, si, tu sors ton UKS. Bon, d'accord. Alors, j'ai fait... Du coup, là, en dessinant mes cases, je sais ce que j'ai brodé. J'ai brodé 350 croix. Voilà. C'est déjà pas mal. Ensuite... Ah, ben là, j'ai ma petite carte. Voilà, c'est ça que je vous disais. Je vous l'ai déjà montré, je pense. On se fait des petites cartes comme ça, Bristol. Donc on met le titre de la broderie, j'ai mis la dimension, ma toile, quel fil j'utilise, la date que je l'ai commencé, donc celle que je vais vous montrer, je l'ai commencé le 1er juillet, et elle est brodée donc en trio, donc moi bien sûr, et Sonia de la chaîne Diamant Rose, et Geneviève. On brode toutes les trois ce modèle. Et derrière, je note les points que j'ai fait au fur et à mesure. Alors, j'aurais peut-être besoin d'un deuxième carton après, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. En toute façon, cette broderie fait 39 312 points. Et c'est celle-ci. C'est le Long Dog Sampler. Voilà. C'est le Two Men's Morris. Il est trop joli. Alors, je vais vous mettre à l'écran également les versions, la version de Sonia. Et je regarderai si j'ai reçu la version de Geneviève et je vous le mettrai également si je l'ai eu. Donc, c'est une toile de lin ici sur laquelle je travaille. C'est une toile de lin 16 fils. Voilà. Et voilà où j'en suis. Oh là là.
Voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, j'ai brodé. J'avais déjà fait une petite partie de la fleur. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là, c'est mieux. J'avais déjà brodé une petite partie de la fleur, donc j'ai terminé toute ma fleur ici et j'ai commencé la petite couronne qui est là. Voilà. Et vous voyez, moi j'ai pris un fil. Alors c'est pas une variation, à chaque fois je le dis, mais ce n'est pas une variation. C'est un fil multicolore de chez DMC et le nom de cette couleur-là, c'est Nuit canadienne. Et j'aime beaucoup mon choix. J'aime beaucoup, beaucoup ce fil. J'aime bien, il y a du gris foncé, du marron un peu plus clair, il y a du violet. Voilà. Donc c'est vraiment très joli au niveau des couleurs. Et voilà ce que ça fait pour la bobine. Et on voit bien les couleurs. Donc ici, celle-là, elle est sur Pattern Keeper. J'ai fait 260 croix. J'en suis à 1587 croix de brodé et je suis à 4,04%. Il y a encore du taf, hein. Donc sur le dessin, vous voyez, moi je suis là. Donc toute cette partie-là est brodée. Hop, voilà. Et vous voyez, je suis à la petite couronne qui est ici. Voilà. Donc là, il y a une espèce d'hippocampe, de bestiole, là, je ne sais pas quoi. Donc là, je vais faire la petite bestiole la prochaine fois. Et je vais voir si je repars par là ou si je descends. On verra bien. Suivant mon humeur. Voilà. Alors, oui, je vais mettre un petit. Alors, l'Autumn Quaker, je vous l'ai montré. Le Julia aussi. La confiture, ça dégouline. L'aquarium, je vous l'ai montré. Et je viens de vous montrer le Languedoc Sampler. Et je vais boire un coup. Ensuite, je ne crois pas avoir reçu, alors je vais regarder, mais je crois que je n'ai pas reçu l'étape de Céline pour notre duo. Ah ben, si, j'ai un message. Ah d'accord, ok. Ah ben, vous voyez, quand on parle du loup, alors, je vous demande juste une seconde, je vais lui répondre. C'est par rapport à cette broderie-là. Un dixième de seconde, je suis là. Voilà, pardonnez-moi. Justement, quand on parle du loup, Céline, elle venait juste de m'envoyer un message qu'elle s'excusait qu'elle n'avait pas pu m'envoyer son avancée parce qu'elle a été débordée au travail. Et du coup, elle n'a pas pu broder cette semaine. C'est pas grave. Vaut mieux que le boulot passe avant, même si c'est très dur. Vaut mieux qu'elle se repose, la broderie a le temps. Donc, moi, je vais vous montrer quand même où j'en suis arrivée. Voilà. Donc, c'est ma ronron-thérapie. Et j'ai fait la petite phrase qui est ici. Voilà. Donc, vous des ronds. Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais, alors, non, pourquoi c'est mouillé sur ma table? Non, c'est peut-être quand j'ai bu. Je fais la cochonne. Alors, vous des. Ah, d'accord. Parce que j'avais commencé à écrire la phrase au-dessus. Tendez l'oreille. Donc, c'est tendez l'oreille et délectez-vous. Des ronronnements. Voilà. Donc moi j'ai déjà brodé tendez l'oreille et en dessous vous des ronds. Moi j'ai brodé ça, tendez l'oreille
et vous, des et les trois premières lettres de ronronnement. Voilà. Oui, elle est super belle hein, cette broderie. Très simple, pas de prise de tête non plus. Donc voilà. Donc celle-ci est faite sur une étamine 12 points 6 fils Vichy grise. Voilà, elle est trop belle. Alors au début, il y en a qui avaient un petit peu peur quand j'ai choisi ça, qui disaient que ça allait peut-être pas rendre comme ça devrait, mais si, si, ça rend bien. Au contraire, je trouve ça original. C'est la première fois que je brode sur une toile comme ça. Et bah, je trouve ça vraiment pas mal. Alors là, bah, j'ai fait mes quatre cases, ce qui fait environ 200 croix. Voilà pour ça. Donc là, pour la semaine prochaine, je verrai avec Céline si moi je me mets un petit peu en stand-by. Et que j'attends que ce soit un peu plus calme pour elle au niveau boulot, ou si elle veut que je continue, mais bon, je peux l'attendre, hein. Il n'y a pas d'urgence du tout pour la broderie, hein. J'ai de quoi broder en attendant. Voilà. Ensuite, ensuite. Viens là, toi. J'ai avancé. Alors ça, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai avancé mon Caroline Meaning. Voilà. Il est toujours aussi beau. Alors, ça y est, j'ai fini tout l'intérieur du carré. La dernière fois, je ne l'avais pas terminé. Là, tout l'intérieur est terminé. Et j'ai brodé un peu ici, un peu là. Plus du tout, ouais, mais bon, il y avait tout ça à faire ici, toute cette bande là et toute cette bande là. Voilà, puis il me manquait un petit point là quelque part, donc je l'ai rajouté. Mais c'est un bonheur à broder, ça, cette broderie. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là sur les autres vidéos. C'est une couverture totale normalement, mais moi je ne le fais pas en couverture totale, c'est-à-dire que le 33-65, tout ce qui va être dans le fond, là, partout où il y aura du blanc, normalement on doit broder du 33-65, mais moi je ne le fais pas. Je préfère le laisser comme ça va être beaucoup plus léger et plus en relief. Je trouve qu'en brodant le fond, ça aurait été trop chargé, trop lourd, je trouve. Là, elle est super bien comme elle est. Surtout qu'il va y avoir des motifs en point arrière à faire. Il aurait fallu les faire également sur le 33-65. Donc, je trouvais que ça faisait, que ça aurait fait trop, trop lourd, trop, voilà. Là, ça me donne du relief et elle est bien. Donc, elle est sur une Aïda 8. Oui, de temps en temps, je brode de l'Aïda quand même. Mais quand je brode de l'Aïda, voilà, j'aime bien le 8. De temps en temps, du 7, mais c'est très rare. C'est quand, par exemple, c'est dans un kit ou quoi. Mais là, souvent, les lily points, ça n'a rien à voir avec ça, mais quand on fait des lily points, sur les sites où ils vendent les grilles, ils proposent de faire sur les Aïda. De toute façon, Lily Point propose hein, déjà. Là, elle le propose. Je reviens un petit peu en arrière. Sur la rencontre thérapie. Attendez, il est où? Ah, il est là. Elle le propose justement. Alors, elle propose Alors, attendez, où je suis? En 6, en 7 et en 8. Mais en 8, elle propose de le broder en un fil. Mais moi, je brode quand même mes broderies en deux fils. Voilà. Hop, je referme. Donc là, j'avais acheté une fois un très grand coupon. Je ne sais plus pourquoi j'ai acheté le grand coupon.
Ah, c'était pour mon achat ED. Je crois que j'en avais encore acheté un après. Et donc, j'ai de l'Aïda 8 qui est encore en stock. Et du coup, j'avais sorti cette Aïda-là pour faire mon Caroline Manning. Voilà. Alors, je ne suis pas toute seule à le faire. J'ai Armelle qui le fait également. Alors, je l'ai enregistré. Voilà. Voilà où elle en est, elle. Donc là, on va dire qu'on le fait en duo si on veut, mais voilà, elle va plus vite que moi. Hein. Vous voyez, moi je suis là. Attendez, hop, hop. Voilà. Sur la tablette, c'est Armelle. Sur la toile, c'est moi. Voilà. Donc, on va dire que oui, elle le fait en duo avec moi, puisqu'elle le brode en même temps. Mais elle est beaucoup plus avancée que moi. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ah ben, j'ai oublié de marquer mes croix d'aujourd'hui. Je les marquerai tout à l'heure. J'ai fait ma petite cartonnette également. Et j'ai justement précisé en bas le fond non brodé. Donc le 38-65. J'ai dit qu'elle. J'ai pas dit 36-65, alors je sais plus. Enfin, c'est le 38-65. Voilà. Et du coup, vous voyez, il y a beaucoup de points arrière avec des motifs là. Vous voyez, il y en a là, il y en a ici aussi, il y en a pas mal. Là, regardez, il y en a. Ah ben, j'aurais pu les faire tout à l'heure, j'ai pas pensé. Voilà, vous voyez. Donc, je trouve que ce sera beaucoup mieux sans le fond. On verra beaucoup mieux les points arrière. Voilà pour mon Caroline Manning. Alors, Caroline Manning, j'ai fait combien? 300. 300 piles. Là, je les ai comptées. J'ai fait 303 piles. Enfin, je les ai comptées. C'est sur mon pattern Keeper. Donc là, je suis à 2828 croix de brodé. Je ne vous donne pas le pourcentage puisque là, il est biaisé puisque je ne fais pas le fond. Le pourcentage ne pourrait rien vous dire. Donc, Caroline Manning, c'est fait. Je rebois un coup. C'est ça de papoter, hein, ça donne soif. Excusez-moi, j'ai dû couper une seconde. Maintenant, qu'est-ce que je vous montre? Celui-là. J'ai terminé mon étape du mois dernier. Donc, je ne suis pas en retard pour l'étape de ce mois-ci, hein. Le mois n'est pas terminé. C'est mon salle Alice au pays des merveilles que j'organise sur mon groupe. Donc j'ai terminé l'étape qui était ici. Je n'avais pas terminé le petit personnage et les petits bocaux et il y avait également la frise. Alors désolé, ça vous avez l'air de. On dirait que c'est tordu, mais non, c'est parce que ma toile n'est pas bien mise. Donc j'ai fait cette frise, les trois bocaux et j'ai terminé tout le blanc du petit personnage. Voilà. J'aime bien. Alors, il y a deux versions. Il y a une version multicolore. Je ne sais plus combien de couleurs il y avait. Et la version trois couleurs. Moi, j'avais choisi la version trois couleurs. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, c'est sur une étamine 12,6 fils vert olive. Et ça, c'est très bien parce que la couleur principale, surtout, c'est le vert. Et du coup, ça ressort bien. On voit bien l'écru également. Donc, c'est bien. J'avais bien choisi ma toile. Voilà. J'ai terminé l'étape. Je suis contente. Alors,
Donc, je vais la reprendre ce mois-ci, bien sûr, pour rattraper mon étape de ce mois-ci. Alors, ah ben non, j'ai pas l'image. Mais ce mois-ci, alors. Elle est où l'étape? Ah, elle est là. Non, elle n'est pas là. Si, elle est là. Bon. Non, elle n'est pas là. Arrête de dire des bêtises. Ah, je ne sais même pas si elle est là. Je crois qu'elle est dans mon ordinateur. Attendez. Sur mon drive, peut-être. Audriol Forest. Voilà. Voilà, ici. Alors, ça, c'est l'étape 1. Elle est faite. Ah ben non, j'ai que l'étape 1. Ah ben mince. Non, je ne l'ai pas dans ma tablette. Bon, je suis désolée. Donc, bah, vous verrez la prochaine fois où j'en serai arrivée. Donc, voilà. Il est beaucoup beau. Non, il est chouette, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et les couleurs sont bien. Ouais, avec la toile, ça ressort bien. Donc, j'aime bien. Alors, ma broderie Alice, j'ai fait 475 croix dessus. Voilà, pour terminer l'étape. C'est chouette. Donc là, maintenant, il faut que j'attaque l'étape du mois d'août. Ouais, je ne peux pas vous montrer. Non, j'ai pas imprimé la grille de ce mois-ci. Je l'imprimerai demain. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ça, c'est dans les grands. Ok. Ça, c'est les grands. Ah ben, les petites, enfin les petites broderies, façon de parler. Ce qui est dans la malle, on va dire. Là, je vous ai tout montré. Il me reste celui-là à vous montrer. Celui-là et celui-là. Voilà. Alors, attendez, je remets tout mon petit paquet ici. Ben, je vais le poser là, je rangerai après. Ça ira. Hop, oui, ça va, il y aura de la place. Bah celle-là, je l'ai pris, mais je ne vais pas vous la montrer. C'est ma japonaise. Vous voyez? Je n'ai pas travaillé dessus cette semaine. Alors, il va falloir que je me secoue. Parce que je suis en train de prendre du retard sur ma maison météo. Je n'ai pas touché cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, j'ai oublié, car j'ai complètement oublié toute la semaine de noter les températures de la semaine. Bon, ça, c'est rien. Je les retrouve sur Internet. Ce n'est pas un problème. Mais cette semaine, j'ai pas. Et ça fait 2-3 semaines hein, comme ça que je prends du retard et là du coup j'avais le retard de la semaine dernière et cette semaine à faire, donc je suis en retard de 2 semaines. Il y aura la semaine là à faire. Alors là, je sais pas, je suis pas motivée sur ma maison météo en ce moment. Pourquoi, j'en sais rien. Mais en ce moment ça ne me dit pas grand-chose. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais la reprendre. De toute façon, c'est des petites fenêtres, hein, donc ça va vite à broder. Mais je vais me rattraper. Il y a juste que faut pas que j'oublie d'imprimer les températures. Parce que même ça, j'ai complètement zappé de. Comment? Je l'ai noté. Alors, ici. Alors là, on est plusieurs à faire. Il va falloir que je note les prénoms. Alors il y a Amélie, il y a Amélie de la chaîne Dazing et Diamant.
Il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose. Il y a Pascal, je crois. Il y a Jackie. Il faut que je note les prénoms. Mais là, on est plusieurs à le faire. Donc, c'est le patchwork. Donc, on a appelé ça le patchwork. Mais je vous remettrai, si j'oublie pas, le nom de cet ouvrage. Alors, on doit faire 10 cases comme ceci. Donc, c'est des cases 30 sur 30. On doit faire 10 cases d'ici le 1er octobre. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Alors, par contre, moi, vous voyez la toile que j'ai choisie. C'est une toile... c'est une abonnée qui me l'avait revendue. Et elle m'avait dit que c'était de l'étamine, mais c'est pas de l'étamine, c'est du lin, ça. C'est une toile de lin. Ouais, c'est pas du tout de l'étamine. Mais je ne saurais pas. Par contre, c'est normalement, c'est du 14 fils. Normalement. Et donc, vous voyez, c'est quand même une toile qui est de couleur rustique. Et normalement, toutes les cases, c'est du plein. Toutes les cases doivent être brodées entièrement. Et ça m'embête aussi parce que les fonds, c'est long à faire. Alors, j'ai pris la décision. Ce sera ma façon de faire à moi. Je vais broder une fois avec le fond. Ici, je n'ai pas brodé le fond. Peut-être que celle d'à côté, je broderai le fond, voilà. Une fois je broderai le fond, une fois je ne le broderai pas, et puis voilà. Pareil, parce que je trouve que les fonds, c'est long à faire. Et puis là, la broderie est très, très grande à faire. Hein. Je ne sais plus si j'ai le dessin, mais sinon je vais vous le mettre, si je l'ai. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, je suis ici. J'ai fait les deux premières là. Vous voyez, il y a encore du taf. Hein. Mais j'en ai 10 à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'ai toute cette ligne à faire pour le mois d'octobre. Alors après, vous voyez, il y a des grandes... Voilà, donc ça, ça vaut 4 cases. Quand on sera arrivé là, bon là, je ferai 4 cases. Je ferai les 4 cases. Là, c'est pareil. Il y en a 1, 2, 3, 4. Là, ça fait 1, 2, 3. La quatrième est ici au milieu. Ouais, 4. Non, 5 même, là. Ça se termine là, vous voyez, ça fait ça. Donc, je ferai, quand il y aura des grandes cases comme ça, je ferai les cases en entier. Par contre, celle-là, vous voyez, elle est costaud. Vous voyez le fond. Je verrai. Mais je ne veux pas faire le fond de toutes les broderies. Non, 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 non. Et ici, non. Tu iras après. Là. Allez. Non. Après. On va pas me demander tous les... voilà. Et puis là, bon, de toute façon, j'ai ma... Ça, c'est celle avec laquelle je travaille pour l'instant. Mais vous voyez, il y a encore du stock, hein, de fil dedans. Hein. Donc, vous voyez bien qu'il y a de quoi broder. Si je ne mets pas ça dedans. Donc là, on est plusieurs. Alors, je vais... je pense que je vous aurais mis... là, vous verrez peut-être... Alors, j'espère que je n'aurai pas oublié de vous mettre les broderies des copines. Alors, je n'aurai peut-être pas celle de tout le monde... Mais je vous mettrai celle que j'ai eue.
Et j'essaierai à chaque fois, chaque semaine, de vous mettre les étapes des copines pour que vous voyez où elles en sont également. Donc voilà, moi, où j'en suis. Donc moi, pour moi, celle-là, elle est terminée. Je ne ferai pas le fond. Après, je vais voir. Alors peut-être que je vais descendre là, hein, peut-être que je vais aller là, j'en sais rien encore, je vais voir, suivant l'humeur. De toute façon, le principal, c'est de faire 10 cases. On peut aller dans le sens qu'on veut, on peut aller en diagonale si on en a envie, on peut y aller à l'horizontale, à la verticale, une par-ci, une par-là, une par-là. Y a pas de... On fait vraiment comme on souhaite. Voilà. Ça m'énerve parce que j'ai ma lampe, elle a une petite veilleuse dessus et la veilleuse n'arrête pas de clignoter. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. J'espère qu'elle ne va pas s'éteindre, sinon je vais la mettre une rallonge. Ici, ça c'est un duo. Je fais ce duo avec Sonia, donc je vous ai dit de la chaîne Diamant Rose. On fait le sampler. Alors le nom du sampler, c'est le sampler 124 de la boutique 2x Stitch Art, je crois. Je ne saurais plus vous dire. Mais de toute façon, normalement, vous avez le lien en barre d'infos. Et on brode avec des fils étoiles. Voilà ma version à moi. Voilà où on en est. Cette lumière. Donc bon, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais ça c'est un des plus grands carrés. C'est celui du milieu. Et c'est un des plus grands qu'il y a à faire. Il commence à nous sortir par les yeux. Et donc, je le fais avec trois couleurs, un bleu marine, un turquoise et un jaune. Donc, tous les trois, ce sont des fils étoiles. Est-ce que je... Ouais, j'arrive à vous montrer que ça brille. Voilà. Normalement, bon, le cadre, j'aurais dû le faire bleu aussi, mais je trouvais que ça faisait trop bleu. La toile bleue, le dessin bleu, donc... J'ai voulu mettre un petit peu de lumière dedans. Et je trouve ça très joli. Alors, je vous mets à côté celui de Sonia. Voilà. Donc, on est arrivé au même point. Alors, on est arrivé au même point, normalement. Tout à l'heure, on s'est parlé. Et elle me fait, t'as bien fait autant de points. Donc, j'ai vérifié. Et alors, pourtant, on fait 300 points. Donc, celui-là, on s'y tient chaque semaine. On fait 300 croix chaque semaine. Et là, je ne sais pas, moi, j'en ai un peu plus qu'elle, alors que je fais 300. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être une petite souris qui vient de la broder sur ma broderie la nuit, j'en sais rien. Mais voilà. Donc là, ce qu'on a dit, on va se terminer ce carré. Et après, on va dire, ouf, il est fini. Et on va voir à combien de points on est arrivé une fois le carré terminé. Comme ça, bah, on verra où est-ce qu'on a fait une erreur ou pas. Mais bon, c'est difficile de faire une erreur puisqu'on est sur Pattern Keeper pour le suivre. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'on a fait. Et après, on va continuer. Donc là, on ne sait pas encore. On verra là. Dès que le carré est fini, on va voir par où on repart. Et voilà. Donc, je vous ai mis la photo de la version de Sonia. Elle le fait sur une étamine 12.6 fils couleur rubis. Et elle le brode avec un fil étoile gris clair. J'ai oublié la référence. Voilà, la semaine dernière, je vous avais dit blanc, mais non, c'est un gris clair. Et moi, donc, bleu marine, turquoise et jaune. Et la toile, c'est une étamine 12.6 fils, couleur bleu canard. Voilà. C'est joli. Voilà. Ensuite, bon, celle-là, c'est bon, je vais ranger les broderies après dedans. Il y en a une que je ne vous ai pas montrée. Alors, le patchwork, je vous l'ai montré. Et j'ai mis où? Je ne sais plus.
Ah, ici, le duo avec Sonia, il est ici. Alors, niveau broderie, ben, il m'en reste une à vous montrer. Alors, elle est où? Elle est là. Et après, on se fera une petite pause de 2 minutes pour moi ranger les broderies, sortir mes poilus pour qu'ils font pipi dans la cour. Mastin Puck, voilà, Mastin Puck qui avance. Alors, comme je vous avais expliqué, hein, voyez, je vais plus en diagonale. Je veux voir mes motifs avancer. Alors, là, en retour caméra, vous voyez, oh, un petit peu. Là, c'est une rose. Bon, elle n'est pas faite en entier encore. Voilà, vous voyez, là, c'est une rose. Là, il y a une feuille. Et là, c'est... Et ça y est, une mouche. C'est pas possible. Et là, c'est le début de son chapeau. Voilà. C'est le début du chapeau qu'elle a. Et ici, je vais bientôt arriver au niveau des premiers rouages qu'elle a sur son chapeau. Voilà. Donc là, je serai contente quand je vais commencer à arriver là. Alors ça, la Steampuck, je vous remets la photo, comme ça vous voyez exactement ce que c'est comme dessin. C'est une image que j'ai trouvée, une image gratuite que j'ai trouvée sur Pinterest. Et que j'ai transformé donc en broderie. Voilà. Mais j'aime bien. Alors ça va être du bleu, hein, beaucoup de bleu. Les rouages ne seront pas bleus, bien sûr, vous avez vu sur l'image. Mais il va y avoir beaucoup de bleu sur cette broderie. Alors ici, la Steampuck. J'ai fait 500 croix. Voilà. La mouche est là. Raté. Le pire, c'est qu'on dirait que quand on les attaque, elles vous attaquent. Je pars faire comme hier, hein, mettre de la bombe, j'ai cru mourir hier. Donc voilà, je suis contente. Alors, je serai contente quand les roses, là, elles seront finies aussi. Je serai contente quand j'avance bien là. J'ai hâte, c'est d'arriver dans son visage. Il va être ici un peu quelque part là, je pense. Mais j'ai hâte d'arriver là. Mais bon, il y a encore du taf hein, avant d'y arriver. Mais voilà. Il aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, niveau broderie, ben c'est tout. Je vous ai tout montré. Maintenant, le challenge, du coup, le résultat du challenge de la semaine pour savoir combien de croix j'avais fait. Donc, comme je vous avais dit, je prévois 3000 croix par semaine. Et cette semaine, j'en ai fait 4864. Voilà, j'aurais pu faire plus hein, encore, mais. Donc, j'ai largement gagné mon challenge de cette semaine. La semaine prochaine, on remettra toujours 3000 croix en challenge. Hein. J'augmente pas, je ne baisse pas, je laisse toujours 3000. Voilà, c'est ma base. Et voilà. Alors, je n'ai pas travaillé sur ce qui était prévu, hein, bien sûr, parce que j'ai encore d'autres broderies, vous le savez. Sur ce qui était prévu, je n'ai pas travaillé sur le colibri. Le Bouddha et le hibou. J'ai pas eu le temps. Mais bon, c'est rien, ça se rattrapera. Il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, j'ai fait en plus. Voilà, je ne les ai pas fait, mais j'ai fait du plus. J'ai fait en plus le Alice. Alice, Alice, Alice. Ah, mais j'ai fait que celui-là en plus. Non, le patchwork, ouais, celui que je viens de vous montrer avec les cases. Celui-là, je l'ai fait en plus. Et c'est tout. Ouais, j'en ai fait deux en plus et il y en a trois que j'ai pas fait. Bon.
l'un dans l'autre. Je vais ranger ces broderies pour avoir la place. Et on va faire le tirage au sort avec la roue pour savoir ce que je vais broder la semaine prochaine. Et je vais profiter de cette petite coupure pour mettre une rallonge sur ma lampe. Parce que là, je sens qu'elle va s'éteindre. Et on ne se verra plus. Ça y est, le pipi est fait. Bon, du coup, j'ai pas rangé. Enfin, j'ai juste poussé. Je rangerai après. Allez, on va tourner la roue pour savoir les 10 broderies. J'en choisis 10. Puisque vous savez, il y a en plus des fois des duos, des choses qui viennent se réintégrer dans la... Comment ? Dans mon planning. Voilà. Donc, je choisis 10 broderies avec ma roue. Voilà. Et on va voir tout de suite ce qu'elle va choisir en premier. Ah, j'ai oublié de l'enlever. Alors, attendez. Hop, voilà, j'enlève. On recommence. C'est vrai, celui-là est terminé. Il faut que je retire. Donc, on recommence. Le tigre de Lucas. Alors, je marque en même temps. Voilà. Hop, on le cache. La deuxième, Caroline Ménning. Voilà. Le troisième, c'est quoi ça? Ah bah les ours de Noël, j'ai pas travaillé dessus encore, donc c'est bien. Le quatrième, enfin la quatrième, Halloween Quaker. Ça fait quelques temps que je n'ai pas travaillé dessus. C'est pareil, c'est un trio, ou alors on est à quatre pour le faire. Avec Sonia, Pascal. Oh, j'ai oublié les prénoms. C'est pour ça qu'il faut que je me les note, hein, parce que j'ai très mauvaise mémoire pour ça. Le Autumn Quaker. Voilà. Donc, on en a déjà 5. L'aquarium, Lucas. Ah bah, ça va être la semaine Lucas. Le septième, oh chouette, les hérons de la Narthe. Ça fait un petit moment que j'ai pas travaillé dessus, c'est super. Là c'est quoi? Ah bah la grenouille. Ma grenouille. Qui ne demande qu'à être finie. Bah, si j'appuie pas, ça marche pas. Un achat ED. La japonaise. Super. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore un. Ah bah, Alice. Alice au pays des merveilles. Voilà.
Ben c'est très bien tout ça. Alors, hop, je remets à zéro. Voilà. Alors, pour l'instant, alors, en sachant que, alors d'abord, on a tiré au sort le tigre de l'UKS, le Caroline Manning, les ours de Noël, Old Forest, le Halloween Quaker, le Autumn Quaker, l'aquarium de l'UKS, les hérons de Lanart, la grenouille de poussière d'étoiles, le HAED de la japonaise et le Alice au pays des merveilles, Old Forest. En sachant que je rajoute, alors je change de couleur, j'ai mon duo, alors les duos, Lily Point, mon sampleur avec Sonia. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça y est, j'ai déjà oublié. Oh là là. À la confiture. Voilà. La confiture. Et je vais mettre en vert. Donc, en vert, ça veut dire que c'est ma petite réserve de broderie. J'aurai le patch, j'ai le patchwork. J'ai le long dog sampler. Voilà. Et j'en oublie un. Hein. J'en oublie un, mais lequel je ne sais plus. Bon, c'est déjà pas mal. Il y en a 10 tirés au sort. 3 que je suis obligée de faire et 2 que je me suis mis en réserve, que c'est pareil, ce sont des duos, des trios, des voilà. Donc ben, j'ai du taf hein, pour moi cette semaine. Alors, vous savez que maintenant le lundi, je choisis une comme ça, oui, 1, 2, j'ai choisi une broderie sur laquelle je ne vais travailler que lundi. Je ne ferai que celle-là toute la journée. Donc, je vais choisir oh, j'hésite entre ma grenouille et le Caroline Manning. La grenouille. Voilà, alors celui-là, je l'entoure. La grenouille sera faite lundi toute la journée. Voilà. Bon, quand je dis toute la journée, je vous rassure, je fais des pauses. Hein. J'ai un peu de ménage à faire. Bon, je fais mon ménage avant. S'il y a des courses à faire, je fais mes courses. Mais après, tout le reste de la journée, je ne travaillerai que sur ma grenouille. Voilà. Pareil, j'ai pas mis de, à part la confiture, je n'ai pas mis d'estampé. D'ailleurs, je sais même pas si je les ai mis dans ma roue. J'ai dû en oublier dans ma roue. Hein. Il faut que je fasse un petit point, il faut que je me fasse une liste. Donc, le dimanche soir, normalement, je prends un HAED et hop, je brode dessus. Je ne fais que ça le dimanche soir. Donc, je pense que dimanche soir, donc ça, je vais me le noter encore dans une autre couleur. Alors, j'ai déjà utilisé le violet, le vert, le rose. Ben, on va prendre le bleu ciel. Et je ferai ma... Aidez-moi. Madame Celtique de Noël. Voilà. Donc, la dame Celtique. Alors. La dame Celtique, donc ça, ce sera dimanche soir. Voilà. Hop. Et la grenouille, donc, ce sera lundi. Voilà. Alors, vous voyez, j'en ai qui m'ont posé la question de me demander comment je m'organise avec autant de broderies
en cours. Comment je fais pour m'organiser, ben voilà comment je fais. Je fais un tirage au sort déjà avec ma roue. Maintenant, je me prévois une broderie le lundi. Je me prévois un estampé le dimanche soir. Les estampés, c'est pas urgent, ça prend son temps. Voilà. Bon, Madame Celtic, j'aimerais bien quand même qu'elle soit finie pour Noël. Mais voilà. Et mes duos obligatoires, bah ça, je les fais toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire le Lily Point, le Sampler 124 et ma confiture. Ça, c'est les trois broderies que je dois absolument faire toutes les semaines. Voilà comment je m'organise pour pouvoir m'en sortir. Enfin, m'en sortir. On dirait que j'ai un boulot de. Un boulot de ministre. Bon. Non, ils n'ont pas beaucoup de boulot, hein, les ministres. Surtout en ce moment. Bon, allez, je ne fais pas de politique. J'ai horreur de ça. Mais voilà comment je m'organise. Je me tire au sort 10 broderies pour la semaine. Il y a 7 jours sur la semaine. Donc, normalement, si j'en fais 2 par jour, ben, ça me fait. Ça devrait me faire 14 broderies. Donc, j'en suis pas loin. Voilà, là il y en a 10, 11, 12, 13. Bah, vous voyez, j'en ai 13, plus mon estampé, ça fait 14. Et j'en ai 2 en réserve, donc le patchwork et le long toque que je me suis mis en réserve. Voilà, donc le compte est bon pour ma semaine. Il y a également aussi mon challenge que je me renote parce que, ah, bon, je le sais que je le fais, hein, mais c'est pour moi mettre après. À la fin de la semaine, mon nombre de croix. Voilà. Donc voilà comment je fais sur mon carnet. Oui, voilà. Donc ça, c'est mon programme pour la semaine. Et après, bah, le reste de la semaine, alors je vous montre bah, là, cette semaine-ci. Voilà. Moi, je me note tout sur mon carnet. Les broderies que j'ai fait, les nombres de points, etc. Voilà. Et je stabilote ma liste une fois que c'est fait. Voilà. C'est ma petite organisation. Des fois, il y en a. Bon, je sais que il y en a qui vont dire, c'est plus du plaisir. Ça, c'est. Ben, si, pour moi, si, c'est du plaisir. C'est ma façon de faire. Je suis pas la seule à faire comme ça, d'ailleurs. Donc on est plusieurs à noter comme ça ce qu'on fait, les points, les ceci, prévoir notre programme pour la semaine. Je ne suis pas la seule à faire comme ça. Mais bon, voilà, moi, ma façon de faire. Et ça me va très très bien. Voilà. Pour l'instant, tant que ça me va, bah, je reste comme ça. Le jour que ça ne m'ira plus, bah, je changerai. Mais voilà. Niveau broderie, ben voilà, le tour a été fait. Maintenant, niveau. Alors, crochet, il n'y en a pas. J'ai, pareil, j'ai pas encore réussi à reprendre ma couverture météo. Alors, ben, celle de la dernière n'est toujours pas finie non plus. Hein. Il va falloir que je m'y mette. J'ai toujours pas fini, continué ma. Alors là, je suis très, très, très. Très en retard sur ma couverture météo. Celle de l'année dernière, il me reste 2 mois à faire. Donc, si je m'y mets, j'arriverai. Bon, je ne vais pas dire que je la termine en une semaine, hein, à pas rêver. Mais si j'ai 2 mois, si je voudrais faire par exemple, 2 mois, il y a quoi, 60 jours, si je fais par exemple. Faut que je calcule avec la calculette. Bon, ça fait environ 60 jours. Alors, si je ferais par exemple 5 rangs par jour, en sachant que celle de l'année dernière, c'est des doubles rangs. Donc, si je choisis de faire 5 jours par semaine, ça me fait 10 rangs. Ça, je pourrais la terminer en
Bon, là, j'ai compté 12 jours, mais on va dire en 15 jours, je pourrais la finir. Je pourrais, peut-être, peut-être, hein, c'est pas sûr. Bon, il faudra bien que je la termine un jour. Parce que là, pour l'instant, elle est dans un sac en haut, c'est un peu bête. Ensuite, j'ai ma couverture de cette année. Je vous avais dit, bon, j'avais pris un peu de retard dessus, il me restait, je ne sais plus combien de jours à faire dessus, pour aller jusqu'au 1er juillet. Et après, j'avais décidé de faire des housses de coussin. Voilà. Ma housse de coussin, elle est commencée. La première housse de coussin est commencée. Elle est commencée. Voilà. Donc ça, il faut que je me motive à ressortir mes couvertures et à me remettre dessus. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Peut-être pas cette semaine. Mais voilà. Niveau tricot. Alors, j'ai avancé. Mon pull Armel. Attends, je vais enlever l'aiguille. J'ai avancé mon pull Armel. J'ai bien avancé. Alors, il y a. Alors, vous savez ce que c'est, ça? Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, attendez. C'est un bout de pelote. Quand j'ai changé ma pelote, je ne l'ai pas coupé. Je couperai à peu près ici. Et ça, ce sera. Je vais m'en servir pour coudre après. Et là, alors moi j'ai toujours du mal à compter le nombre de la longueur de fil. Par exemple, si je dois faire 100 points, par exemple. J'ai du mal à compter ma longueur de fil que j'ai besoin pour faire mes 100 points. Alors du coup, j'ai toujours du fil en trop. Mais bon, c'est pareil, il n'est pas perdu. Je couperai également à une certaine longueur et je récupérerai ça pour coudre le pull. Mais du coup, ça me fait des pendouilles. C'est pas terrible. Et là, c'est le reste de ma pelote. Alors, c'est compliqué à la fin de cette pelote de la tenir en pelote, parce que c'est comme un ruban, c'est un fil lyocell, voilà, c'est le fil eucalyptus de chez Fildart. Et alors, je ne sais pas si je vais bien savoir vous le montrer. Voilà, vous voyez, c'est comme un ruban tissé, voilà, c'est du lyocell. Et du coup, quand on arrive à la fin de la pelote, donc là, je vais la rebobiner. C'est tout à l'heure, ça, que ça s'est défait. Mais voilà. Alors, voilà où j'en suis. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, il était là. Et j'ai fait 12 rangs. Voilà. Là, je suis arrivée à la hauteur de l'emmanchure, du bas de l'emmanchure. Voilà. Donc j'ai encore quelques rangs à faire, il faut que je regarde, je ne sais plus combien. Enfin là c'est des centimètres, il n'y a pas le nombre de rangs sur le patron. Et je vais après attaquer le col en V. J'adore les cols en V. Voilà. Mais du coup, je suis contente, j'ai super bien avancé. Donc ça, c'est le devant, hein, bien sûr, le dos est déjà fait. Donc dès que le devant est fini, ben, après, il me restera les manches. En sachant que je vous avais expliqué, alors je vais vous remontrer le modèle pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou si vous vous en rappelez plus. Bon, je sens que je vais faire des bêtises. Oh là là, mon fil, faut que je refais une bobine. Alors, il est où? Il est là. En sachant que les manches, c'est des trous-trous. Je vais vous montrer ça.
Voilà, je vous montre la manche. Je vais l'agrandir pour que vous voyez bien. Voilà la manche. Yeah. Des trous, ma bête noire. Ma bête noire. Alors, là, en plus, il y a une épaulette. Alors, je crois que c'est en continu. Ouais, c'est en continu avec la manche. Voilà. Et voyez donc le col, ça va. Enfin, j'ai pas de bordure côte à faire. Ouf, parce que les trucs en pointe, quand il faut faire des bordures côte, moi c'est ma bête noire. Là, il n'y en a pas. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Voilà, voyez. Il n'y a pas de bordure côte. Youpi! Donc, je ne sais plus comment elle se finit. Assemblage. Coude les pattes d'épaule entre le dos et le devant en faisant correspondre les points A, B, C. Oh là là, mon Dieu. Monter les manches au cœur. Bon, faire les coutures des côtés. Et voilà, c'est ça. Pour l'encolure, on fait un rang de mailles serrées au crochet. Ça, j'aime bien. Youpi. C'est cool. Alors, j'espère. Bon, alors, les manches, je vais essayer. Hein. Mais je vous jure, je ne suis pas emballée. Hein. Mais bon, il n'y a pas. Il faut que. Si je veux que le modèle soit pareil, il faut que j'essaye. Hein. Mais sauf que. Voilà. Alors, je vais vous montrer le diagramme. Celles qui s'y connaissent en tricot vont me dire, mais dites, c'est facile. Facile. Oui, c'est facile. Bon, tu vas te mettre bien. Voilà. Voilà le diagramme. Ouais, bon, il y a, ça a pas l'air trop hard, mais alors j'ai envie d'essayer pour pas abîmer ma laine parce que c'est quand même une laine qui est fragile. Enfin, c'est pas une laine, c'est un fil. J'ai envie de prendre une pelote, une vieille pelote au hasard en haut et de me faire comme un échantillon. Voilà. Et sur cet échantillon, je sais pas, moi, je vais faire un échantillon de 10 ou 15 cm, je verrai bien. Et de m'entraîner d'abord là-dessus pour voir si j'arrive à faire le point. Et si le point, il est beau. Si le résultat est beau, le point lui-même, il est beau. C'est mon résultat, moi, qui risque de ne pas être... Mais il n'y a pas, il faut que je me lance. Ça fait des années que je tricote. Mais je tricote jamais du compliqué. Je fais pas de dentelle, je fais pas... Voilà, je fais pas de trou-trou. J'ai déjà fait des torsades, ça, ça va. Des points fantaisie, points de blé, points de tout ça, bon, ça va encore, mais les trous-trous, c'est ma bête noire, c'est ma bête noire, c'est pour ça que je fais pas de dentelle, parce que alors là je me flingue. Donc j'ai envie de faire ça. Vous me direz en commentaire si c'est une bonne idée. Je vous dis une pelote au hasard, hein, n'importe laquelle, une acrylique, hein, voilà, tout ordinaire. Et je vais m'entraîner à faire ce point fantaisie. Là, il est fait sur 26 rangs. Il est fait sur 26 rangs sur 20 mailles, si je comprends. Hein. C'est ça, hein. 26 rangs sur 20 mailles. Ouais, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire exactement pareil. Et on verra ce que ça donne. Ouais, on verra ce que ça donne. La manche, la voilà. Vous voyez ? Voilà. C'est ça, la manche. Alors, en plus, ils me mettent, du coup, ils me mettent le dessin de la manche droite. Bon, manche gauche, bah, c'est dans l'autre sens. Hein. Mais du coup, dans les explications, j'espère qu'ils... Manche droite.
Bah, pourquoi il me parle que de la manche droite? Je ne fais pas qu'une manche. Je ne fais pas qu'une seule manche. Il ne me parle pas de la manche gauche. Ah si, voilà, ça y est. Tricoter la manche gauche en sens inverse. Bah oui, c'est vrai. Il est tard, hein, la cervelle elle fonctionne moins bien. Donc voilà, bon, je vais essayer, je vais faire comme ça avec une pelote acrylique pour pas abîmer mon fil. Et je viendrai vous redire si ça a été. Ben, je vous montrerai le résultat, hein, même si c'est moche, je vous le montrerai. Ah, pas peur. Pas peur de montrer si c'est moche. Non, non, non. Puis on verra bien. Ouais, on verra. On verra. Mais bon, quand je le vois comme ça, je pense. Alors, il y a. Attendez. J'ai deux mailles en droit à faire. À jeter. Alors, à jeter, c'est ça. Je mets mon fil sur mon aiguille. Hop. Alors, si le truc est dans ce sens-là, c'est deux mailles ensemble à l'endroit. Bon, ça va. Je suis encore faire. Si c'est le symbole est dans ce sens-là, c'est un surjet simple en droit. Glisser une maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, puis passer la maille glissée sur la maille tricotée. Ouais. Je devrais. Ouh là là! Là, par contre, je ne comprends pas. Si on peut m'expliquer. Attention! Ne faire un jeté que s'il est compensé par une diminution et inversement. Ah, pas compris, moi, là. Ne faire un jeté que s'il est compensé par une diminution et inversement. Ouais, parce qu'il y a des diminutions en plus dans cette manche là, dans l'épaule, la patte d'épaule. Je sens que je vais passer plus de temps à faire les manches que j'aurais passé à faire le corps. Bon, on en reparle, hein? Donc, ça, c'est mon pull Armel de chez Fil d'Art. Alors, je ne sais pas si j'ai une pelote du fil. Ouais, si j'en ai une là. Voilà, donc c'est celui-là le fil que je vous parle. Le fil eucalyptus 100% lyocell. Et c'est la couleur lagon, si je ne me trompe pas. Ouais, lagon. Donc celle-là, la couleur n'est plus en vente hein, sur Fil d'Art. Ils ont encore d'autres couleurs pour ce fil-là, mais ils n'ont plus celle-là. C'est bête, mais bon. Donc voilà. Le pull fil d'art. Oh là là. Oh y a, regardez-moi ce que j'ai fait. Ça s'est mélangé là. Bon, on verra. Ah, attendez. Je suis sûre que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran. Des conneries que je suis en train de faire. Bon, on verra ça après. Il me reste aussi encore à finir le pull, vous savez, le marron, le pull fil d'art aussi, qui tirait du livre Tricoter pour les rondes. Je vous avais dit, je suis arrivée au plastron. Bon, je n'ai pas encore repris, mais bon, je vais le faire. Mais alors, c'est pareil, il y a des trous-trous. Mais en plus, là, c'est des trous-trous, mais ça va en pointe. Mais bon. Je vous avais dit, alors vous l'avez déjà vu hein, normalement sur mon Facebook ou même ici sur YouTube, je vous avais fait une petite un petit short que je ne commencerai pas d'autres pulls tant que je n'avais pas fini un des deux fils d'art. Non, 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 non. Je vous jure, je ne commencerai pas d'autres pulls. Eh ben, si.
J'ai commencé un autre pull. Voilà. Oh, il est d'une douceur. Voilà. Bon, ça c'est juste parce que je l'ai mis pour mettre le devant, mais maintenant je vais le remettre là. Alors que je sais que c'est le devant puisque c'est du jersey. Mais bon. Non, c'était surtout au moment où je faisais les côtes que je voulais être sûre que j'étais bien du bon côté. Voilà, j'ai commencé un pull. Je vous jure, c'est pas ma faute. C'est la pelote de laine, elle m'a dit, tricote-moi, viens me tricoter. Donc voilà, mais il est très doux. Bah, le pull s'appelle pull duveteux, hein. Alors normalement c'est un pull court. Vous savez que j'aime pas les pulls courts à cause de mon bidou. Donc je le rallonge de 14 cm. Voilà. On verra bien. Quand j'arriverai à la hauteur des emmanchures, j'essaierai déjà devant moi. Je verrai si ça suffit ou s'il faut encore que je refais quelques rangs. Mais voilà. Regardez comment il est beau. C'est beau tout ça. Il est tout poilu en plus. Regardez. Vous voyez? Il est poilu. Alors, je le fais. Alors, cette laine-là, je vous l'ai présentée quand j'avais fait ma vidéo soutien à Bergère de France. J'avais fait une commande. Voilà. C'est le fil flocon. Voilà. Alors, la couleur, ça s'appelle Hussard. Alors, vous le voyez un petit peu plus vif chez vous. Mais chez moi, ça ressemble plus au jean, couleur jean. Alors, c'est l'hymen. Ouais, il est tard là, il va falloir que j'aille me coucher. Hein, parce que... Alors, il y a 56% de laine, 25% d'acrylique et 19% de polyamide. Voilà, donc c'est une laine au Écotex. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ça se tricote en numéro 5. C'est une laine médium 4. Donc voilà. Donc c'est pas une déca, c'est pas une filgurine, c'est ça qu'on dit? Je sais plus comment on dit, mais bon. Là c'est une médium 4. C'est des pelotes qui font. C'est marqué où ça? Où est-ce qu'ils me l'ont marqué? Pas zut. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Alors c'est des pelotes. Ah, oh, c'est 45 grammes seulement la pelote. Tiens, je n'avais pas fait gaffe. Souvent c'est 50 grammes. Là c'est 45 grammes pour 158 mètres. C'est bizarre que c'est 45 grammes. Est-ce qu'ils auraient fait des pelotes plus petites pour gagner plus de sous? Faudra que je regarde avec les pelotes que j'ai. Les autres pelotes. Ah bah attendez, je crois que j'en ai une. Parce que j'avais préparé pour un autre pull. Mais là, bon, j'ai dit, je vais attendre. C'était celle-là, la Mérinos Lin. Alors, celle-là, elle fait combien de grammes? Non, celle-là, elle fait 50 grammes. Non, ben alors je ne sais pas pourquoi celle-là, elle en fait que 45. C'est rare de trouver des pelotes de 45 grammes. Je ne sais pas. Et là, voilà. Oui. Couleur sauge, elle est belle aussi. Donc là, c'est pour faire un pull tout simple, col rond, manche longue. Voilà, là, c'est le pull basique. De toute façon, j'ai pas besoin de pulls avec des pulls franc-freluche, moi j'appelle ça. Vous savez, nous, on ne bouge pas beaucoup de la maison. Quand on bouge chez hôpital, médecin, les courses. Voilà. Donc, nous sommes des sauvages. Nous n'allons nulle part. Non, c'est. Voilà.
De toute façon, quand on n'a pas beaucoup de sous, on ne peut pas bouger beaucoup non plus, hein. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de pulls vraiment compliqués. Moi, il me faut des pulls simples, voilà, qui vont... Enfin, j'allais dire qu'ils vont vite à tricoter. À la base, ils vont vite à tricoter. C'est moi qui tricote lentement, enfin, qui ne tricote pas régulièrement. Voilà. Donc, j'avais hésité entre commencer ce pull-là et celui-là. Et puis après, c'est celui-là qui est venu à moi. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai la photo? Ah ben oui, non. Est-ce que j'ai la photo de celui-là? Je ne sais pas si je l'ai mis. Si, je l'ai. Je crois que c'est celui-là. Oui. Allez, j'attends que ça s'ouvre complètement. Voilà. Donc, voilà. Alors là, c'est le pull court, hein. Moi, il faut penser que moi, je le rallonge. Voilà. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, vous voyez, c'est aussi un pull tout simple, hein. Rien de... C'est le pull basique aussi. Voilà. Y a rien de compliqué sur ce pull. Je sais pas si j'ai une image portée. Non. Alors. Et l'autre pull, est-ce que je l'ai là? Je suis pas sûre de l'avoir mis dans ma tablette. J'ai des pulls à finir aussi, hein. Vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Hein. Ah bah moi, j'ai pas mis le pull. Non, ça. Ah, le pull coton, je l'ai retrouvé. Oh, j'aime bien aussi ce pull-là. Pareil, super simple. Ah ouais, mais c'est du jersey en vert. J'aime pas le jersey en vert. Mais oh, je suis pas obligée de le faire en jersey en vert. Hein. Regardez ce petit pull-là. Tout simple. Il est chouette, hein. En bicolore, comme ça. Je peux le faire aussi en uni, hein. Je peux le faire en uni et tout jersey. Je ne sais pas pourquoi j'aime pas le jersey en vert. Mon pull camionneur, là, qui n'est pas terminé, il est en jersey en vert. Mais je sais pas, ça fait moins joli, je trouve, le jersey en vert. On dirait qu'on tricote au point mousse. Ouais, tiens, j'avais oublié celui-là. Bon, ce mois-ci, je peux pas me commander de laine. Mois prochain non plus, mais faudra que je regarde. Bah mince, j'ai pas le pull. Pourquoi je l'ai pas enregistré? Celui-là, c'est lequel? Non, ça c'est un pull sans manche. Non, il y a celui-là aussi, vous voyez, qui est tout simple. Pas obligé de le faire en rayure, hein. Grosse rayure horizontale, ça va pas ensemble. Voilà, il est chouette aussi. Là, les bords côtes, en bas, aux manches, au col, c'est un point. C'est un point de riz, ça. Point de riz ou point de blé? Je vous embête, hein. Ouais, c'est le point de riz, c'est bien ce que je disais. Donc, voilà. Ça change du bord côte. Je m'enregistre plein de trucs, plein de pulls que j'ai envie de faire. Et mais l'autre, celui-là, c'est, je l'ai pas. Bon, je vais pas. Quelle heure il est? 11h30. On arrive aux 2h. Je sais pas pourquoi je l'ai pas enregistré. Voilà, le berger de France, il est là. Ouais. Donc, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il va assez vite à faire. Je vous dis, j'ai fait 25 rangs. J'ai eu du mal à le lâcher quand même. Donc j'espère qu'il ira vite. Bon, faut que je termine celui-là, que je termine l'autre. Maintenant que je continue celui-là, je suis insupportable. Je suis insupportable. Je m'énerve moi-même. Alors, hop.
mon compte, mes fiches téléchargeables. Alors, j'ai le pull marin aussi à faire, oui. J'en ai. Alors, le camionneur est là. Est-ce que c'est celui-là? Retélécharger, qui me dit, alors je l'avais déjà téléchargé. Est-ce que, si c'est celui-là, ouais, c'est celui-là. Ben, je l'avais déjà téléchargé. Bon, je ne sais pas où il était. Donc, ça, c'est le pull avec le mérinos. Voilà, le mérinos là. Vous voyez, c'est le pull tout simple aussi. Col rond, voilà, il n'y a pas de complications. Il se tricote en 3,5 et en 4. Ah, oh, ça y est, ça recommence. La mouche, elle a fini sa sieste. Et c'est en jersey. Voilà. Ben mince, pourquoi je ne l'ai pas enregistré? Je l'enregistrais tout de suite. Permettez une seconde. Tricot BDF à faire. Voilà, enregistré. C'est bon, c'est dans la boîte. Et ben, ils me disent retélécharger, je ne comprends pas. Et j'ai celui-là aussi, je vous avais dit, voilà, qui va être fait en, pas cette couleur-là, mais, non pas igloo, enfin c'est un blanc cassé, et les rayures seront faites en rose géranium, je crois que la couleur, bon c'est un rose, voilà. Et ça, il se fait avec la laine Idéal 4. Donc, pareil, c'est un truc tout simple. Pareil, col rond. Bon, les manches sont bouffantes. Les manches sont un petit peu bouffantes. C'est joli, vous voyez. Avec des poignets un peu plus longs que l'ordinaire. Là, la longueur a l'air d'aller pour moi, on verra. De toute façon, maintenant, ce que je fais à cause de ma taille, je tricote, je regarde, je me pose le... Parce que moi, je tricote en aiguille droite. Donc, je me pose, une fois que je vois que j'arrive aux emmanchures, je pose là. Et je vois la longueur que je vais avoir par rapport à mon ventre. Si ça arrive au milieu du ventre, ça ne va pas. Au-dessus, alors encore moins. Donc, moi, il faut que ça m'arrive au niveau des hanches. Voilà, pour cacher tout ça. Donc, voilà. Bon, ben celui-là, je ne sais pas où il a été téléchargé, mais je le remets. Voilà. Et j'avais également... alors, ce n'est pas celui-là. Ben, retélécharger. C'est bizarre, ça. Ah oui, le voilà. J'ai celui-là à faire aussi. Alors, c'est pareil, c'est un col... en V, et par contre, il n'y a pas de bord-côte pour les manches, il n'y en a pas pour le col non plus. Voilà, lui, c'est avec la laine Estelle. Voilà, c'est pareil, j'ai déjà ma laine en haut. Bon, là, je pense qu'elle a dû le mettre dans son pantalon. Je vois pas bien la longueur, mais il fait 41. Bon, c'est vraiment just, mais bon. Voilà. Je vous jure, j'entends la mouche, là, ça me stresse. Ah, Minerve, elle est où ma tapette? Elle est là. Bien. Bien, je te somme. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Ah ben, c'est Charlotte. La boutique que je vous ai présentée hier en vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo et n'hésitez pas à aller lui commander. Si elle fait des accessoires broderie, vous verrez, c'est superbe. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, allez la voir. Je l'ai mise hier en ligne. Non, ce matin. Enfin, hier. Et elle me dit qu'elle avait vu ma vidéo. Dans sa vidéo, dans la vidéo où je présentais ses articles, je me suis battue avec une mouche. Mais j'ai mis de la bombe. Mais j'en ai mis trop. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Donc elle me disait, mets des rubans. C'est pas beau ça. Mais j'en ai.
Un, deux. J'en ai trois dans ma cuisine. J'ai trois rubans à attrape-mouches. Et ça n'empêche pas les mouches. Ah ouais, hier j'ai cru mourir. Je crois que je vous ai tout montré. Ouais, je pense. Ah, c'est celui-là que j'ai pas fini. Voilà. Celui-là, il n'est pas terminé. Je suis sur le devant. Les manches sont commencées, le dos est fait. Mais je suis coincée au devant. Parce qu'il y a des augmentations à faire. Mais je ne comprends pas comment placer mes augmentations. Parce qu'en plus, il y a des côtes. Et je suis coincée là. Je suis complètement coincée. Alors, si jamais, par exemple, l'une d'entre vous pouvait m'aider, je lui envoie le modèle. Et elle m'explique en français maternel tricot. Fifi, oui. En français maternel tricot. comment m'en sortir? Parce que je voudrais bien le finir, ce pull, hein, c'est pour l'hiver. Mais je vous dis, j'ai les manches, je dois être à ça des manches. Le dos est fait, le devant, il est presque terminé. Mais je m'en sors pas, j'arrive. Ça ne veut pas rentrer, j'arrive pas à comprendre. Vous voyez, hop, je vous montre. Vous voyez les petits points rouges là? Hop, c'est les augmentations. Je ne comprends pas comment les mettre. Alors, si l'une d'entre vous veut m'aider, je lui envoie le modèle et vous me refaites une transcription ou vous faites quelque chose de simple pour ma petite tête que j'arrive à comprendre pour que je puisse terminer ce pull. Pitié. C'est pareil, c'est un bergère de France. Donc, ça m'embêterait de laisser là en plan. Il faut absolument que je termine. Mais là, je suis coincée à cause de ces augmentations. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment mettre des. Alors, en plus, ça part comme ça. Donc, c'est des côtes qui sont comme ça. Il faut claquer des augmentations là. Alors que là, le plastron, il continue, mais droit. Bon, enfin, si l'une d'entre vous peut m'aider, que je vous envoie le modèle, quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en tricot, tricot droit, hein, en aiguille droite, je ne fais pas de circulaire. Pitié, pitié, venez m'aider. Parce que je veux vraiment le terminer. Et là, je suis complètement coincée sur ce pull. Voilà. Niveau pull, je crois qu'on a fait le tour, hein. Voilà, tout ce que j'ai prévu. J'ai celui-là qui est prévu. Alors, celui-là, je l'avais commencé aussi. Et j'ai merdouillé, je ne sais plus où. Donc, je l'ai démonté. Voilà. Il est beau, celui-là. Hein. Plein de torsades. Les torsades, j'aime bien. Je sais les faire. Mais il faut. Il faut rien autour de moi. Hein. Il faut que je sois. Alors, la laine est blanche. J'ai pris la laine blanche. Et moi, avec mes loulous, là, le blanc. Donc, je sais. Le jour que je serai pour le refaire, je crois que je prendrai dans une autre couleur. Parce que le blanc, avec moi, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté du blanc. Vraiment, je ne sais pas. On verra bien. Voilà. Je vous jure, j'en ai marre de cette fille. Tu peux pas attraper les mouches? Tu peux pas choper la mouche? Bon, ça y est, on a fait 2 heures. Bon, j'espère vous avoir fait rigoler avec mes tricots et ma tête de clown. J'arrive, non, j'arrive pas à le tourner. Coucou. Yann, Fifi. Fifi. Yann. Ouh. You. Au revoir, plutôt. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Il est 23h30. Le temps de ranger. Heureusement, je ne fais pas le montage ce soir, je le fais demain matin. Je vais ranger tout ça. Je vais sauter dans le pyjama.
Donc, ranger un tout petit peu, enfin, ranger un petit peu, ranger toutes mes broderies, parce que là, si Chouchou, demain matin, il se réveille, lui, il se lève à 5 heures, hein, il ne sait pas se lever plus tard. Puis, il voit mon bordel. Bon, c'est un gentil, hein, mon chouchou, ne vous inquiétez pas, il va pas m'engueuler. Hein. Il va dire, tu aurais pu ranger. Où est-ce que je bois mon café? Ah là là. Non, moi j'ai un bon chouchou. Comme ça, mon chouchou. Il me supporte, donc c'est un bon. Allez, on a assez papoté pour ce soir. Je vais ranger tout ça. Donc, si quelqu'un peut m'aider pour mon tricot, dites-le-moi, je vous enverrai le modèle. Et puis voilà. Bon, niveau broderie, pour l'instant, je prévois rien de nouveau. À part qu'il y en aura un en octobre, mais on en reparlera au mois d'octobre. Normalement, il y en a une qui commence. C'est un achat ED que je fais en duo, trio. Voilà. Donc, je vous dirai tout ça. Et moi, maintenant, en attendant, je commence à piquer du nez. Je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve aussi lundi pour une vidéo unboxing. J'ai eu un seul colis cette semaine. Ben, je vous l'ai dit, hein, c'est les vacances en septembre. Je crois que ça va bombarder. Mais là, j'ai un seul colis à vous montrer lundi, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mais lundi, c'est très rare que j'ai des colis. Et puis après, on verra. Mardi matin, je vais à l'hôpital avec Chouchou, mais il va faire sa visite pour ses yeux, rien d'important. Mais l'hôpital, il n'aime pas y aller tout seul parce qu'il a peur de se perdre. Ben, il n'est pas d'ici, hein. C'est un Lillois, hein. Il est de Lille. Ah, comme il dit, la campagne, lui. Donc voilà. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Faites-moi plein de petits pouces. Plein, 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 plein de pouces. Plein, plein, plein de commentaires. Et n'oubliez pas qu'il y a encore le concours. Vous regardez deux vidéos avant, je crois. Il y a le concours. N'hésitez pas à aller participer. Il y a des jolis lots à gagner. Et vous pouvez participer jusqu'au 31 août. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.